bienvenue sur l'exploitation de Laurence et moi-même, Franck Blanc. Donc, nous sommes à Duerne dans les monts du Lyonnais. Donc, notre production, c'est donc les vaches laitières et donc une partie est transformée donc en yaourt pour les trois quarts. Après, fromage blanc faisselle, fromage blanc battu. Et nous commercialisons avec Croquetique et Alter Ponceau qui sont deux associations en circuit court. Et puis après, nous avons un marché au détail et puis des magasins où nous sommes en dépôt. Et puis nous venons de commencer avec des cantines scolaires. Voilà. Donc l'intérêt de Croquetique, c'est que ça nous permet d'avoir des liens directement avec le consommateur et de vendre justement en vente directe, en limitant tout l'intermédiaire. Et puis nous sommes partis sur les mêmes bases, c'est-à-dire soit en bio ou proche du bio. Bon, nous sommes en bio depuis avril 2011. On est sur des surfaces limitées en grandeur d'exploitation, donc du coup, la partie qu'on transforme, eh ben, on revalorise à sa juste valeur, quoi. C'est l'intérêt que ça peut sauver les petites exploitations, comme les nôtres. Parce qu'après, si on vend notre lait uniquement dans les coopératives ou dans les sociétés privées, eh ben, il faut faire du volume pour arriver à s'en sortir, et ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'après, c'est la course pour avoir une grande exploitation et du travail en plus, et voilà. Salut Philippe. Vas-y, go. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça se passe bien? Ça va, ouais. Je m'appelle Philippe Chambre, je suis installé depuis 1996, donc à Saint-Martin-en-Haut, sur une exploitation de 20 hectares de 800 mètres d'altitude. J'ai commencé Croquetique il y a 4 ans et je livre toutes les semaines. Donc je reçois la commande moi une semaine à l'avance, 10 jours à l'avance. Je sais ce que je dois faire la semaine suivante avec les légumes que j'ai à disposition sur mon exploitation. Donc j'ai pas de perte de produits, quoi. Contrairement à quelqu'un qui fait peut-être les marchés, qui sait pas s'il va tout vendre. Moi, je sais que c'est tout vendu. Salade, il m'en faudra 3 en plus là-bas. Je vais en piquer 3. Hop là. Hop, voilà. Les belles salades, mec. Les topinambours. Les légumes d'hiver. Croquetique vient sur mon exploitation chercher les légumes, donc toutes les semaines. Donc j'ai pas à remanipuler les caisses, à recharger dans un camion, descendre au local, tout se fait à la maison. Voilà. Et donc c'est très avantageux pour moi. Salut Nico, ça va bien? Je t'ai préparé les pommes. T'as tout préparé? Bah allez, hop! Daniel Fillon, je suis producteur de fruits dans les coteaux du Lyonnais. J'ai une petite ferme d'une dizaine d'hectares avec 7 hectares de vergers. Et je suis fournisseur de Croquetique depuis les débuts, c'est-à-dire depuis 2008. J'ai une petite exploitation familiale qui était précédemment tournée vers la vente en filière longue. Mais aujourd'hui, c'est un système dans lequel on n'est pas assez bien rémunéré. Et je trouve qu'avec Croquetique, on a trouvé de nouveaux alliés. C'est-à-dire, c'est se rendre compte à un moment donné que chez les consommateurs, il y a vraiment des gens qui sont prêts à faire un effort pour soutenir l'agriculture locale. Donc ça fait chaud au cœur. En fait, je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs, c'est les derniers alliés des agriculteurs. On n'est pas forcément soutenu par la politique agricole commune. Nos coopératives ont fait beaucoup d'efforts, mais elles sont trop faibles face à la grande distribution. Et finalement, les gens qui aujourd'hui nous aident, c'est les consommateurs. Et dans ce sens-là, je trouve aussi qu'on doit être à la hauteur, on ne doit pas les décevoir dans ce qu'on leur fournit, aussi bien en termes de fraîcheur, de qualité, pour leur fournir un bon produit. Didier Mas, producteur dans l'association de Croquetique. Je fournis des légumes. Je fais également partie du CA. Le CA, c'est là où toutes les décisions de l'association sont prises entre producteurs et consommateurs, ce qui permet le bon fonctionnement de l'association. L'avantage de Croquetique, c'est que c'est un circuit court
Et en tant que jeune installé, l'avantage, ça m'a permis de valoriser et de vendre tout de suite mes produits sans une incertitude au niveau commercialisation. Donc c'est un point fort pour mon installation. Donc, voilà, et avec une bonne relation entre producteurs et consommateurs, ce qui est aussi un moyen de valoriser son travail et d'avoir une confiance dans son exploitation. Mathieu, salarié de Croquetic. Donc, Croquetic, c'est une association qui compte 3 salariés. C'est un réseau de 25 paysans qui sont à moins de 80 km de Lyon. Et à l'heure actuelle, c'est environ 270 adhérents consommateurs. Des personnes qui font le choix de s'abonner au panier, d'avoir des produits locaux et de saison durant un engagement de 6 mois environ. Le but de ce projet, c'est de permettre d'un côté des petits paysans entre guillemets de vivre correctement de leur travail, donc avec des prix rémunérateurs, et en contrepartie d'avoir des adhérents consommateurs qui puissent avoir accès à une nourriture de qualité sans que ce soit des prix extrêmes. Ça, c'est un petit peu la logique, et nous en tant que salariés, on essaye d'être un petit peu les garants de cette logique là et de la mettre en œuvre par le biais de commissions, de réunions avec les adhérents, de discussions avec les producteurs. Pour financer l'association, on ne fait pas de marge sur les produits directement. On est dans un système de vente directe où l'argent qui est payé pour les paniers va directement au producteur. On prend d'une part des frais de fonctionnement auprès des adhérents, donc qui sont fonction de la situation sociale des gens. On a deux tarifs, un tarif réduit et un tarif entre guillemets normal. Et on se finance également en prenant une commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec le producteur. On a commencé juste cette année à adhérer au panier parce qu'on en a marre d'entretenir un système où on dépense beaucoup plus d'argent au final aussi. Après, je pense qu'une des premières raisons pour laquelle on s'est inscrit à ça, c'est parce qu'on fait travailler le commerce local. Donc ça, c'est une des valeurs les plus fortes, je pense, pour nous. Et puis, de façon très pratique aussi par rapport à notre vie, c'est sur le chemin du retour de l'école. J'ai pas à ressortir, retourner faire des courses. Je rencontre des gens qui parlent de leurs produits. Et je suis contente de les faire vivre, en fait. Non, mais j'ai essayé un truc, j'adore. On a déjà pris tout ça. Il faut le mettre au marché, il faut l'envoyer au marché. Ça leur fait aussi découvrir les fruits et légumes de saison, eux. Les peser, les ramener avec leur maman, les porter, tout ça, quoi. C'est une belle aventure familiale pour nous. Moi, j'aime bien les fruits et les légumes qu'il y a ici. Et moi, j'aime... peser. J'aime... Et j'ai trop... les patates frites. J'aime le chaud. Je suis adhérent à Croquetic, ça fait quelques années. Ce que je trouve intéressant, c'est forcément le côté soutien à l'agriculture locale, rencontrer avec les gens en fait, directement, le fait d'avoir une partie des produits bio, etc. Et aussi un gros plus qui est l'accès à des légumes et des fruits qu'on n'achète pas forcément de nous-mêmes. Quand on les connaît, mais on passe à côté, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément tous comment les préparer. Donc là, on les a de fait dans le panier, ce qui fait que ça nous pousse à goûter si on n'a pas connu, puis à essayer de préparer des trucs qu'on n'aurait pas achetés. Voilà. Je suis chargée ici de l'accueil et de la communication de la MJC du Vieux-Lyon. On a souhaité ouvrir nos portes à Croquetic parce que ça correspondait à un projet qu'on avait envie de développer ici au sein de la MJC. Donc accueillir une association qui propose justement les circuits courts, réduction des emballages, etc. Ça correspondait à notre désir. On souhaitait aussi que ce soit le moyen pour les habitants du quartier de se rencontrer dans un espace convivial. Et donc on était vraiment en train de vouloir développer ça. Et au moment où justement on était en train de se poser ces questions-là et avec les bénévoles en train de se dire « Waouh, ça va être super lourd à monter », on a reçu un courrier de demande d'hébergement de Croquetic. Donc ça s'est fait du coup assez vite parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde.
Du coup, c'est un plaisir de les accueillir ici tous les jeudis soirs. Ça crée pas mal d'animation. Il y a un petit peu cet effet de curiosité. Qu'est-ce qui se passe? C'est un marché? C'est quoi? Et ça reçoit un accueil très positif du coup, de la part des habitants, des adhérents qui viennent faire leur activité, qui repartent avec leur panier, des gens qui travaillent juste à côté, du coup, qui découvrent aussi ce lieu, qu'est-ce que la MJC. C'est vraiment un échange qui est très bénéfique. On est très fiers de les accueillir ici, en tout cas. Depuis 4 ans, je suis adhérent chez Croquetique. L'intérêt que j'y vois, c'est très clair. C'est des produits locaux, bio, un prix concurrentiel, de saison. Toujours sympa d'aller se rendre compte sur place, d'aller rencontrer les producteurs qui viennent proposer leurs produits et échanger sur les produits. Ayant des enfants, ça me fait plaisir de leur donner des choses saines, de les faire venir avec moi au panier quand j'ai l'occasion. Et voilà, de contribuer à une autre agriculture. Légumes coupes, les fruits solides. Impeccable. Merci pour bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. On est tombé sur cette association qui est intéressée un petit peu et on a testé et on a adhéré. On s'est posé un peu des questions sur le rapport qualité-prix, on a fait un peu nos comparaisons en allant sur le marché. On a trouvé que ça valait le coup. Ça nous intéressait, la démarche et les rencontres que ça permettait. Puis tout simplement l'objet de la sauce finalement, promouvoir l'agriculture locale, les circuits courts de distribution. Consommer propre et local, donc ça c'était plutôt bien. Petit à petit, on s'est mis dans les groupes de travail que Croquetique avait monté pour divers aspects de la sauce. Et puis Joanna, c'est... Oui, je me suis présentée au CA, j'ai été élue et j'essaye d'apporter ma vision des choses pour donner un coup de main, pour que ça continue à exister et que ça, surtout que ça se développe, parce que je pense que c'est important. On ne fait plus de courses de consommateurs, on vient à Croquetique, on récupère nos fruits et légumes, on en profite pour discuter, pour rencontrer des gens. C'est devenu un moment d'échange et pas seulement faire des courses. Ça, moi, faire les courses, j'ai horreur de ça. Alors là, c'est le gros avantage que je trouve à Croquetique, c'est plus besoin de faire de courses. Et venir à Croquetique, c'est pas faire des courses, c'est vraiment C'est vrai qu'on n'achète plus du tout d'alimentaire presque dans la grande distribution.